Yeah.
Thank you.
Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Nous avons un puissant Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux l'acclamer? Thank you.
I'm gonna go.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Digne de louange et d'adoration. Jésus est Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclame ton nom, Jésus. Il est tellement merveilleux. Il est tout puissant. Acclame ton nom. Qu'il aime comme moi. Vous aimez Jésus? Amen. Il est très bon. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Veuillez vous asseoir. Si à quelqu'un il est merveilleux, Jésus. Si à quelqu'un il est merveilleux. Venez, vous qui venez d'Abidjan, là, venez. Je vous ai déjà annoncé ici. Vous êtes venus chez lui empoisonner, la femme veut vous manger. Envoyez le petit courageux. Nous, on appelle ça tenir bananier. C'est un enfant terrible. Tu me connais? Tu me reconnais? Hein? Oh. Oh. Où on s'est vu? On s'est vu où? Hein? Mets-le. Il est où donc? Soulève le micro. Soulève-le, voilà. À la maison. Chez qui, moi ou chez toi? Chez moi. Je suis parti là-bas. Il a fait quoi? Je suis resté ici. Je vais mourir. Il dit quoi? Je vais resté ici. Je vais mourir. Si tu vas quoi? Je vais resté ici. Je vais mourir. Si tu vas chez les sorciers, je t'ai dit quoi? Je vais resté ici. Je vais mourir. Tu es parti, non? Hein? Hein? Il y a un micro, hein? Tu es parti? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit que l'école est partie. Il dit quoi? L'école est partie. Sa soeur n'est pas partie. Il t'a dit d'aller manger. Son chéri est parti. Il t'a dit d'aller essayer. Tu allais essayer? Oui. Hein? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as essayé, là, il y a eu quoi? Tu as une maladie. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Pardon, tu manges la fête là. Comme ça, ils veulent manger. Je t'ai dit quoi? Quand je suis parti, je t'ai dit quoi? Petit, tu vas faire quoi? Même le tout comme ça, je suis sur des actes derrière moi. Mmh. Tu dis quoi? Je suis parti chez toi. Tu dis que tu partais chez les sorciers. Vas-y, t'as dit? Mmh. Dis-moi, il a dit quoi? Tu dis pas, tu vas mourir. Il a fait quoi? J'ai mis quoi sur toi? Non, j'ai mis quoi sur toi? Oui. Une. J'ai mis quoi sur toi? Oui. Une. Une où? Sur toi où? Sur quelle partie? J'ai mis ça où? Oui. Ton oreille, j'ai mis ça où? J'ai mis ça où aussi? Oui. C'est la tête. La tête. Mmh. Puis tu es parti. Oui. Je t'ai dit qu'on va partir. Et tu es parti. Oui. Tu es parti là-bas. Oui. Et puis tu as eu quoi? Une maladie. Tu as eu maladie. Quelle maladie? Hein? Maladie d'esprit. Maladie de quoi? L'esprit. Maladie d'esprit. L'esprit.
On apprend tout ce que maladie d'esprit. Celle-ci apprend beaucoup de choses. Hein. D'autres disent, j'ai la maladie de la cuissure. J'ai rallumé la vidéo hier. On apprend ici, c'est collé. Tu as une maladie quoi? Maladie d'esprit. C'est comment ça se manifeste? Ça fait comment? Mal au gorge. Vous avez compris. Oui, mais viens là. C'est où les mains? Il a mangé Chougouya à c'est bon, ça fait mal. Il était par l'eau, petit. Déjà, les gars, c'est 6 heures. 6 heures, je sais. Petit, il veut manger une piante. Il faut rendre le témoignage. Donne le micro à parents. C'est, vous savez pas où jouait l'huile là. C'est lui, il est toujours dit. Vous savez pas ce qu'il y a dans l'huile. Mais ça, c'est moi maintenant. Il faut chercher du mal. Donc, bouge. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'huile. Il y a une onction spéciale dans l'huile. Il a cassé la bouteille d'huile à mesure. Ouais. Ouais, explique un peu. Donc, ma femme m'a appelé, m'a dit que. Parle bien fort dans le micro. Allô? Voilà. Ma femme m'a appelé, m'a dit qu'à la maison, l'enfant est en train de tout ce qui est à la maison. La télévision est en train de pousser l'huile. Il a touché la bouteille d'huile, l'huile a cassé, mais la bouteille d'huile est tombée de la table, il s'est cassé. Et l'ordinateur aussi, bon, il a pris l'ordinateur, il a cassé. Donc, le jour, il lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est le démon qui est venu, qui a dit de faire ça. Un enfant, il connaît le démon. Donc, les ampoules de la maison, de la chambre, tout ça, il a cassé. Il a cassé les ampoules depuis le soir. Parce que de la nuit, comme on a mis les ampoules jusqu'à matin, ça ne marche pas. Donc, il a cassé les ampoules. Donc, j'ai appelé le prophète, je dis, bon, c'est pas ça. Allez, à votre micro. Il m'a appelé, j'ai dit, bon, je viens. Matin, très tôt. J'ai dit, petit, c'est toi qui es courageux, là, toi. Toi. Tu fais quoi? Il dit, va chez les démons. Là. Il dit, tu vas là-bas. Tu vas chez ces sorciers. Il dit, oui. Lui, il dit quoi? Il dit, il ne faut plus aller là-bas. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il t'a dit. C'est ça qu'il m'a dit. Il t'a dit ça, non? Oui. Maintenant, toi, tu es parti là-bas. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dormi le jour où il est mis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dormi. Mets le micro. Après le 28, il a dormi de 10h jusqu'à 17h. De 10h jusqu'à 17h. Et il s'est levé, il dit qu'il ne peut pas manger, il n'a pas mangé comme matin. Le lendemain, bon, il a écouté juste un peu, il dit qu'il ne mange pas. Il dit qu'il ne mange pas. Je dis qu'il ne mange pas. Vous m'avez comparé ça, pas les amusements. Hier nuit, bon, on était à l'hôpital. Il a fait des injections. Donc il m'a appelé, il dit il faut que l'enfant. Vous voulez quoi? On donne le visa? Souvent l'ambassade Marie-Lène, son dossier est déjà prêt. Vous voulez le visa? Hein? Mon Rétanie n'a pas dit pas les gens. Mine de rien, on l'aime. Qui l'aime pas? C'est une question de visa. C'est parce que je l'aime que je vais te prendre un vol privé tête. Il a maigri, il a maigri beaucoup. Mais non, je viens de l'enfant. Petit, c'est toi qui es têtu. Je t'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Pourquoi pas dire où ça? Et tu es parti là-bas? Tu es parti là-bas? Tu as eu quoi? Hein? Maladie. Oui. Tu as eu quoi? Maladie. Quelle maladie? Maladie des démons. La maladie des démons. Bon, il a un autre problème. Lorsqu'ils ont fait les prières à la maison, ça ne sent pas bien. Mais il est possédé. Il pleure. Hein? Mais quelqu'un qui est possédé, il va mettre la prière. Un petit sorcier dangereux. Je suis allé consacrer la maison, j'ai dit à Petit, je vous ai dit, à partir de là. Vous allez voir, vous allez voir les filles. Je lui ai dit, je quitte la maison, vous allez voir les filles. J'ai quitté la maison, net, il est tombé en même temps.
Même jour et demi. Vous amusez. C'est ça que je vous dis. Je voulais venir la même soir. Je ne suis pas venu, c'est pas ça. C'est le lendemain. Je l'ai appelé le matin. Je viens. J'arrive là-bas. Je fais une opération. Rapide. Et j'ai dit, je quitte d'ici là. Vous allez voir. C'est tout est réglé. Voilà. Ça a été réglé. Petit, j'étais prêt à te donner le visa. Mais. Bien, mais. On a la compassion des arbres. C'est ça le maire, la compassion des âmes. Petit, tu vas partir encore là-bas. Hein? Il faut partir. Demain, il faut aller là-bas. Hein? Il dit non. On va l'aider, c'est un bébé. Voilà, c'est un bébé. Bébé blanc, on va s'aller maltraiter les enfants ou maltraiter les enfants. On maltraite l'enfant. On n'a qu'à te laisser, on n'a qu'à te libérer. Hein? Ils sont venus. C'est le papa qui m'a appelé ma tête. Je ne m'attendais pas à toi. Ils sont à Abidjan. Hein? Ils viennent comme ça d'Abidjan. Ils sont à Abidjan. J'ai prié, j'ai consacré la maison. Et puis j'ai dit, j'ai mis, ça c'est fini ça. Sorcellerie là, c'est bouclé. Si vous me voyez, ils ne vont plus manger ici. Je sais ce qu'il y a en Jésus. Oui, Jésus m'a dit. Ouais, la voiture est tombée en panne quand venant. Vous avez loué une autre voiture. Oui, Jésus m'a dit, il me disait tout ça. Il ne voulait pas venir. On est arrivé à la station. Il était calme. Il est resté calme. On a voulu démarrer net. La voiture a pris feu. Oh, il y a la voiture. T'as pu vu qu'on a fait, on a fait descendre en cascade même. Oui, j'ai compris. Putain, partout. Quand je suis allé à côté de lui, il a demandé, tu ne veux pas partir de lui. Il dit, quoi, c'est pas que tu as dit la voiture. J'ai envoyé un ange vous escorter jusqu'à ici. J'ai envoyé un ange vous escorter. C'est plein de petits sorciers. C'est vous qui voyez la fête de Jésus, là, comme on le dit. Vous ne voulez pas venir. Vous ne voulez pas venir. Mais il dit, veux venir. Il dit, mais tu veux venir, tu as gardé la voiture, on vient comment. Il dit, on va partir. Bon, puis il s'est pas. Il m'a dit, veux boire de l'eau, viens de l'eau. On venait, tout le monde dormait, lui seul, il regardait la route. Il regarde la route. Quand on est arrivé, on est rentré à Dibonet, la voiture a dormi. Il dit, non, tu ne vas pas dormir, il est toi là-bas. On est arrivé. Non, un ange est en train de vous escorter. J'envoie un ange. Tu m'as donné le dernier coup de fil. J'ai dit à un ange, dès que tu as raccroché net, j'ai dit à un ange de venir avec toi jusqu'à ici. C'est fini, un peu, ce désir. C'est fini, c'est déjà un puissant signe. Petit, je te libère. Hein? J'ai dit, allez, vous c'est fini. Merci. Mon Dieu est plus fort que le marabout. Mon Dieu est plus fort. Et la sorcière.